Je vous propose d'avancer jusqu'à à peu près là où je suis, pour que vous puissiez après vous retourner. Vers Chantal. Donc nous sommes avec l'histoire. Donc vous avez entendu le début juste tout à l'heure. Donc comme la femme, vous avez poussé la porte. Et maintenant, comme elle, vous êtes dans le jardin de l'abbaye. Elle est entrée et elle découvre un très beau jardin. Elle regarde à droite, à gauche, elle regarde les plates-bandes. Oh là, des plantes médicinales. Oh, ça doit être l'infirmerie. Et puis, elle s'avance dans le jardin, à la découverte d'un jardin magnifique. Il y a toutes sortes de plantes, des quantités incroyables de variétés, de toutes les couleurs, des grandes, des plus petites, des minuscules. Et elle s'avance, ces gamins s'ébrouent dans le jardin, oh, respectueusement, hein, on ne toucherait pas une fleur. Alors, on va avancer aussi et on va découvrir comme elle ces plates-bandes si bien entretenues. Pas un brin d'herbe, pas une mauvaise herbe. Elle avance, elle regarde, elle sourit, elle s'étonne, elle s'émerveille. Mais ce qu'elle n'a pas vu au bout de l'allée là-bas, c'est un frère laïque, un frère convert, qui est à genoux dans les plates-bandes et qui est en train de désherber. Au bout de quelques minutes, le frère laïque les voit, se rend compte que cette famille est entrée. Oh, mon Dieu, une femme dans l'abbaye. L'entrée est strictement interdite aux femmes. Alors, il s'approche d'elle. Et il lui demande très poliment de bien vouloir sortir. Et là, il est face à la femme du brigand. Sais-tu bien qui je suis ? Je suis la femme du brigand. Et tu oserais porter la main sur moi ? Oh, la question n'était pas là, bien entendu. C'était tout à fait gentiment qu'il voulait la faire sortir. Mais elle ne l'entendait pas de cette façon. Ces gamins sont arrivés pour lui porter secours. Et là, l'abbé s'est retrouvé devant une furie. Elle y allait, de ses griffes, de ses ongles, de ses pieds, qui tenait des coups de pied. Et les gamins arrivaient pour mordre. Devant une telle fureur, le frère est parti chercher du secours. Et il est revenu avec deux moines. Costaud. Mais le bruit s'était propagé dans cette abbaye où le silence est de règle. Et les moines n'ont pas eu plus de résultats. Alors ils ont lâché prise et ils allaient aller chercher l'abbé. Mais le vacarme s'était déjà fait entendre. Et l'abbéance arrivait. Vous avancez encore un petit peu ? C'est pas tout à fait la bête, celui que je connais. Non. Ça fait la bête, c'est ça que vous regardez. Aussi. Je vous propose de vous mettre tout autour du bassin.
tout de suite, la femme du brigand. Il a fait des reproches au frère et au moine d'avoir voulu brusquer les choses. Et il s'est approché de la femme très gentiment et il lui a demandé comment elle trouvait le jardin. Est-ce qu'il est à votre goût? Est-ce qu'il vous plaît? Oui. Oui. Mais vous, moi j'en connais un encore beaucoup plus beau que le jardin. Le frère est devenu rouge de colère. Comment oser dire que le jardin de l'abbéance n'était pas le plus beau? Comment oses-tu dire une chose pareille, toi qui vis là-haut, dans la forêt, presque la montagne, au milieu des herbes folles, au milieu des genêts? As-tu vu ce jardin, comment il est? C'est celui de l'abbéance. C'est certainement le plus beau du pays, et peut-être même du monde. L'abbé encore, lui, il avait eu simplement le roseau joue, ça ne lui plaisait pas trop, ce jardin. Il l'avait fait de ses propres mains. Il avait acclimaté chacune de ses variétés. Il les soignait au mieux. Et c'était certainement ce qu'il aimait le plus au monde, dans ce monde terrestre. Alors, dire que son jardin n'était peut-être pas le plus beau, n'était pas pour lui faire plaisir que ça. Mais il ne disait rien. Ah bon, tu connais un jardin encore plus beau que celui-là? Oui. Vous, les saints hommes, vous devriez savoir que tous les ans, pendant la nuit de Noël, un jardin merveilleux se réalise. L'abbéance, tout de suite, a été surpris par ces paroles. Il avait entendu, quand il était enfant, parler d'un jardin extraordinaire, mais il n'avait jamais eu l'occasion de le voir. Et là, la femme du brigand venait lui parler de ce jardin merveilleux. Alors, il est entré en conversation avec elle. Il a essayé de savoir. Oui, tous les ans, à minuit précise, eh bien, une lueur apparaît, une lumière. Et la forêt se transforme. On se croirait en plein été. Alors vous imaginez que ça a excité particulièrement la curiosité de l'abbé qui lui demande de bien vouloir lui permettre de voir aussi ce miracle de Noël. Oh, la femme est un peu réticente au départ. Mais ça la tente hein, de montrer à l'abbé, voilà, ce merveilleux jardin. Alors, eh bien... promesse est faite. On se promet le 24 décembre au soir de monter dans la montagne pour aller voir ce jardin merveilleux. Un enfant viendra les attendre. Et puis, voilà. La femme et les enfants s'en vont. Et là-dessus, eh bien, c'est une visite de l'archevêque qui passe à l'abbaye. Et là, l'abbé va lui parler un petit peu. Va d'abord lui montrer son jardin. Alors, si vous voulez bien, on va encore se déplacer. Alors, un instant. Voilà. Tu peux déjà aller, Jean-Paul? Moi, j'aimerais juste attirer votre regard, un instant, vers la cathédrale. Vous arrivez à voir la cathédrale, là-bas? Est-ce que vous considérez un peu la taille de cette construction? Et maintenant, vous regardez ce vide devant vous. C'est juste pour essayer de nous imaginer quelle construction existait ici au moment où cette histoire aurait pu se passer ici, peut-être vers la fin du Moyen-Âge. L'église abbatiale qui était ici avait la même élévation, ça veut dire la même hauteur qu'à la cathédrale. Donc si vous entrez dans la cathédrale et vous voyez ces grandes arcades, les triforiums et les fenêtres hautes, c'était la même chose ici. Et l'église abbatiale de Saint-Jean-les-Vignes était juste quelques mètres plus courte que la cathédrale, comme vous la voyez là-bas. Et juste devant vous, le cloître aurait été fermé aussi. Il y avait donc la fermeture vraiment du carré du cloître, de ce côté-ci, avec
la salle du chapitre, dont on va juste deviner un peu les vestiges qui sont là. Oui, au-dessus, il y avait le dortoir des chanoines, le dortoir des moines. Et en fait, nous passons maintenant de façon imaginaire dans un passage qui permet l'accès des jardins de l'abbaye vers cet espace de clôture, donc ce cloître. Suivez-moi par là-bas, s'il vous plaît. Je mets le passage. Je